Yo les gars, je suis le Darwadoc, j'espère que vous allez tous super bien. Moi pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui les amis, toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Et aujourd'hui les gars, on se retrouve sur du Call of Duty Black Ops 3 en map custom. Et aujourd'hui les gars, on va jouer sur la map Minecraft One Window Challenge. Donc c'est déjà une vidéo que j'ai déjà fait sur... c'est pas une vidéo que j'ai fait, mais j'ai déjà joué sur cette carte. Et j'ai déjà vu, c'était The Kerry je crois y jouer. Du coup, ça va pas être une totale découverte pour moi, tu vois. Genre, il y a des trucs, je me souviens un petit peu sensiblement de commencer, voilà. Mais voilà, ceci étant, on va se faire un One Window Challenge, vu que c'est le genre de map que je kiffe faire. Et du coup, on va jouer sur Minecraft aujourd'hui, voilà. Donc, ça va être un One Window Challenge sur Minecraft. Donc, vous allez voir, de toute façon, tout est. Voilà, de toute façon, je pense que vous allez reconnaître. Même moi qui ai jamais joué à Minecraft, je connais. Alors, là par contre, on avait. To enable zombie sprint, ouais ok. Ah oui, alors il y avait des trucs à récupérer. Je sais pas où, je sais plus trop où c'était. Donc là, où est-ce que là les zombies là ils vont lentement. Il y avait une sorte de carte à récupérer. You need to power first. Ouais, toi donc on a besoin d'une pièce, tu vois. Et sauf que cette pièce. Putain, la vache, ils vont déjà vite les salauds. Ah, ok, donc là il y en a déjà une ici. Merde, mais elle était où déjà cette saloperie de pièce? Putain, je m'en souviens plus, elle était où d'un chien? Non, non, non. Putain, je me souviens plus où elle est la pièce. J'ai récupéré la pièce ou pas? Je sais même pas si je l'ai récupérée là. Est-ce que j'ai... Ouais, c'est bon, ok, je l'ai récupérée. Mais est-ce que c'était celle-là? Je crois pas que c'était celle-là. Non, c'était pas celle-là. Où était la pièce? Parce que toi, genre, il dit que j'ai besoin d'une pièce pour ouvrir. Sauf que bien évidemment, je ne sais pas où est cette pièce. Sinon, ce serait un peu trop simple. Ok, donc en fait, si la carte, mais là, en fait, la carte est vraiment totalement au fond, en fait. C'est incroyable, comme je ne l'avais absolument pas vu. Ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je me fasse une caisse. Mais il va falloir que je tue tous les zombies avec l'arme qui me sort. Hein. Par contre, hein, parce que là, je vais pas pouvoir faire autrement. MSMC, parfait. Bon, tu sais quoi? Hop, on va faire comme ça, voilà. La keycard, elle est là, c'est parfait, les amis. On peut même ouvrir ici. Non. Ici, ouvrir ici, voilà, c'est ce que j'ai dit. Au fond de ça, on a une pièce pour le power. On va vite aller le craft avant de se prendre des tartes dans la gueule. Hop là, ok, parfait. Non, ne meurs pas, merci beaucoup. Voilà, t'as un monstre, frérot, t'es un monstre, t'es pas mort. T'es vraiment une machine de guerre, c'est le mec totalement dans l'abus. Bref, voilà les gars, en tout cas, n'hésitez pas déjà à lâcher votre meilleur pouce bleu, ça me ferait plaisir. Toi, arrête de me foutre des mains au cul. Voilà. Ok. A chaque fois j'ai peur en fait de me faire down, tu sais quand j'ai un atout, quand je suis en train de me prendre un atout gros. Genre c'est une phobie que j'ai depuis la naissance parce que j'ai été mordu par un zombie quand j'étais petit. Et oui c'est comme ça que ça se passe. Ok, AKU, pourquoi pas. Ça dégage. En tout cas comme vous le voyez les gars, c'est vraiment dans le style Minecraft. Moi personnellement j'aime bien ce petit pack à punch là comme ça qui arrive un peu à l'improviste, devrais-je dire. Ça fait plaisir. Bon alors, on va se détendre hein, là-dessus, là, parce que là, ça commence. Voilà, moi je vais vous calmer, hein, si vous vous calmez pas. Ça, c'était la phrase préférée des darons, ça, quand on était gamin. Oh, si tu te calmes pas, c'est moi qui te calme, tu sais. Non, tu vas pas me calmer, tu vois. Au contraire, tu vas me faire pleurer. Ça, c'était vraiment la phrase des darons, ça. Bon alors, tu sais quoi, hop là. Directement mon pote, tour de passe-passe, parce que là, le KSG, ça c'était vraiment l'arme fétiche des enculés sur Black Ops 2, mec. Les mecs qui jouaient KSG, comment, avec le long viseur là et tout, là, oh, c'était tellement atroce ces gens-là. T'en as, ils faisaient ça, du coup, en fait, ça faisait que genre les mecs, en fait, ils te one-shotaient à 20 mètres, en fait, avec le KSG. C'était juste horrible. C'est exactement comme les mecs qui jouaient au M12-16 à l'époque sur Black Ops 2 en hardcore, quoi. Oh là là, mais quelle bande de sous-races. Dégage. Je te cut mon pote. Voilà, par contre là c'est vrai que tu touches pas grand chose avec le KSG comme ça.
putain, ouais. Non, mais en fait, c'est pas que je touche pas grand chose, c'est surtout que je sais pas viser en fait. Hein. Je te le dis. Voilà, donc on va faire ça. Là maintenant, je vais me faire un atout. Hop là, et je vais me reprendre. Oh là là. Donc là, on va tuer tout. Enfin, là, vraiment, là, on va se faire plaisir. Hein. Non, pas là, il faut. Ok. Je sais pas ce qu'elle vaut. Oh là. J'allais dire, gros, je sais pas ce qu'elle vaut, mais. Ah, mais non, je suis con, pourquoi je me refais une caisse? Je vais pas prendre l'arme. Donc, sa mère, gros, HMR, je suis obligé de la prendre. Oh. Oh, c'est nimpe. Oh, c'est nimpe. Quelle douce arme, l'HMR. Quelle douce arme. Oh là là. Quand on jouait en zombie sur Black Ops 2 avec l'HMR. Oh là 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 là. Et qu'il y en a un de nous qui avait l'HMR dans la boîte. Putain, mon dieu, c'était magnifique. C'était absolument magnifique. Franchement, c'était vraiment une époque incroyable, Black Ops 2. Bon, là, qu'est-ce que j'ai encore comme atout que je peux m'acheter? Je vais le courir vite. Énergie, je vais me le prendre. Pff, mais là, on est juste clairement en train de les violer, en fait. Là c'est le mot. On est clairement en train de tous les poncer. Par contre, je vais les laisser rentrer si jamais il y en a, tu sais, genre, qui veulent me lâcher un petit munition max. Ou au contraire, un autre pack à punch. Parce qu'il se trouve que oui, je ne dis pas non. Bah écoute, je vais les laisser venir. Oula. Mort instantané, ça, je m'en bats un peu les couilles, mais bon, écoute, si tu veux. Bon, en tout cas, déjà dessus, bon, bah, du coup, je vais y aller au cut. Bon, en vrai, genre là, depuis tout à l'heure, gros, je les cut, mais j'ai toujours pas de. J'ai toujours pas mes bonus qui apparaissent, hein. J'étais juste à le préciser que depuis tout à l'heure, j'ai l'impression de me faire un peu enfler. Donc bref, c'est pas grave, on va continuer de tourner. Mais de toute façon, j'ai le pack à punch juste derrière, chérie, que je suis con, je suis pas forcément obligé d'attendre qu'il rentre pour aller pack à puncher. Putain, mec, mais tu cours tellement rapidement avec ça, mec, c'est n'importe quoi, gros, je suis beaucoup trop rapide, là. Avec les godasses, oh oui, oh là là, les petites mines, là, oh là là. J'ai quand même envie d'aller repunch une deuxième fois ma KU. Ah oui, d'ailleurs, ce qu'on avait de l'autre côté, là, c'était une... C'était une ending? Ah non. Là, il y a une ending ici ou pas, non? Non. Non. Non, ok, il n'y a pas d'ending ici. Ben y a pas d'ending là dans la map, genre un truc à payer, je sais pas, y a rien du tout. C'est chiant ça. Là maintenant. Non, rien du tout. Ok. Oh oui. Ça mon pote, ça fait toujours plaisir. Je laisse venir à chaque fois un petit peu au cas où, tu vois, genre dans le suivant... S'ils peuvent peut-être me relâcher un ou deux petits atouts, tu vois, parce que bon... Tu vois, je leur dirais pas non, tu vois. Ça serait dommage. Bon, là, après, j'ai le double point, là, donc... bon, nique sa mère un peu, quand même. Hein. Là, j'ai quand même envie d'avoir mes points, là, tu vois. Ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre le 3 armes. Et puis, les gars, on va se refaire une caisse. Allez, hop. Ah, du coup, genre, ma HMR, elle est passée en troisième arme. C'est de la merde. J'aime pas ce lingue. Oh, la PDW. Ça aussi, c'était vraiment une arme incroyable sur Black Ops 2. On en dira ce qu'on en veut, mais la PDW sur Black Ops 2, elle restera dans les annales. Bon, ça, je sais pas trop ce que c'est. Ok, c'est un petit peu de la daube. Bon, entre nous, il one-shot, mais... C'est pas parce qu'il one-shot que c'est bien, tu vois. Voilà, c'est pas parce qu'un flingue one shot que c'est un bon flingue, tu vois.
C'est comme une meuf quoi, c'est pas parce qu'elle suce que c'est une meuf. Non pardon, je ferme ma gueule. Bref, quel enfer, quel enfer. Oh putain. Non mais j'ai rien dit. De toute façon j'ai pas de meuf, donc le problème résolu. Non c'est parce que j'en veux pas, tu vois, genre non j'ai pas envie d'avoir... Tu vois, voilà, comme ça, non, j'ai pas envie. C'est pas du tout parce que je plais pas ou parce qu'il y en a absolument aucune qui me regarde. Non, c'est j'ai pas envie, ça m'intéresse pas. Tu sens le gros mentor arriver, tu sais, gros, à Yusamborn, c'est nap, quel enfer. Oh par contre, là, c'est de la douille. Là, j'ai été douillé. Là, messieurs, dames, là, j'ai été un peu douillé, là, par contre. Et là, je suis grandement déçu. Là, je m'attendais à beaucoup mieux, là. Parce que là, mec, y a pas le viseur... Uzi. Ok, un peu de la daube. Moi, j'aimerais bien la N94. Oh. Ah oui. Oh, le Peacekeeper. Ah oui. Ah oui. Ah bah là, frérot... Oui, là, tout de suite, on sait plus la même chose, là. Oh, puis en plus, avec... Attention, on punch. Oh là là. Eh, c'est beau. Eh, franchement, mon pote, franchement, c'est beau. Et en plus de ça, là, c'est vraiment un gros massacre. Je pense qu'on peut dire que ça fait plaisir. Mais pendant ce temps, moi, j'aimerais bien voir, du coup, si là, quand même, genre là, il y a pas une petite énigme, là, non. To get power up. Non, c'est pas pour ça. Ah, mais lâchez-moi, les zombards. Putain, de chien. Parce que moi, j'aimerais bien savoir... S'il n'y a pas une ending qui est cachée ou un truc dans ce genre, tu vois, je sais pas. Mais on dirait pas, hein. Bon, en tout cas, c'est stylé. Ouais, bon, faut quand même que je pense à regarder avant de prendre mes atouts, parce que... Là, j'ai eu de la chance, mais bon, il se peut qu'il y ait un moment où j'ai beaucoup moins de chance, quand même. Hein. Mais bon, là, quand même, ça allait. Voilà. Mec, c'est tellement surpuissant, par contre, les armes que j'ai, là, c'est absolument incroyable. Donc, ouais, pas d'ending ici, d'accord. Putain, mais c'est pas possible, il y a bien une quelque part, gros. Non. Putain, mais il n'y a pas d'ending sur la map. Attends, tu vas pas me faire avaler ça, une map comme ça, t'as forcément une ending quelque part. Et en plus avec les zombies qui spawnent en continu, c'est pas comme si je pouvais me dire vas-y t'en laisses un et puis tu cherches à la fin de la manche. Et ben non, bien sûr que non. Ben non Jérôme. Bon alors cette patate là était juste clairement gratuite. Hein. Bon, bah écoute, non, je vois pas d'ending, donc du coup, je pense que bah, tu quittes la map quand on a marre, quoi. Bon, bah écoute, c'est pas trop grave. De toute façon, là, on arrive au bout de la... Au bout du Peacekeeper. Putain, par contre, putain, quel enculé. Oh, le Vector. Oh, c'est une blague. Je change, le premier zombie que je tue, il a des munes. Foutage de gueule, gros, foutage de gueule. C'est vraiment nimp, quel enfer. Oh là là. Mais en fait, genre, je dis rien parce que là, genre, je kiffe mon moment en fait. Hein. Là, je surkiffe juste tirer dans le tas, c'est incroyable. Ouais, bon là par contre... Ouais, par contre on se détend s'il vous plaît. La stun. Ouais, je balance les petits graviers. C'est quoi le flingue? Ouais non. Je vais voir celle-là si elle est bien. Putain, même punch elle pue la merde. Même punch elle est pas ouf comparé aux autres. Non mais no joke hein. Genre même punché, j'ai l'impression que je les chatouille en fait. Ouais bon bah tu sais quoi gros, on va vider les munes et puis on va se barrer.
Enfin, on va changer d'arme plutôt. On va vider les mines et on va changer d'arme. Ok. Alors ça, je sais pas trop ce que c'est, mais déjà, rien que... Même sans être améliorée, elle fait déjà plus mal, tu vois. Elle est même pas améliorée, gros, elle fait déjà plus mal que la stun. Quel enfer. Oh là là. Non, c'est classe, moi j'aime bien. Moi franchement, je la trouve classe, cette arme. Oh là, M'tar. Oula, oula. Je me souviens que Zombast, il aimait bien la jouer en multi, la M'tar. Même en zombie, il aimait bien. Moi je sais pas, j'ai jamais été trop fan de ce flingue. Mais Zombast, il aimait bien. Ah non, je la récupère. Ah non, je récupère l'arme qui balance des graviers. Ouais, non, c'est pas ouf. Hein. L'Uzi, je confirme, c'est vraiment pas ouf. PDW, pourquoi pas. PDW, pourquoi pas en vrai, hein, les amis. Hein, pourquoi pas PDW. Oula, ah, j'étais arrivé au fond là, faut que je fasse gaffe quand même. Oh non, je retrouve l'usine, non, vas-y hop. Je pense que j'ai quand même gardé la PDW, parce que bon, c'est quand même une bonne arme, je pense. Au moins déjà là pour la mort instant, je vais la garder, puis après dès que je peux là, je vais la rechanger un coup. Oh, stylé gros, c'est tellement classe. C'est tellement classe, c'est nappe. Moi je sais pas, moi je prends de ses kiffs en fait à faire ça là, ça m'éclate de ouf hein. Je vous le dis. J'ai quoi? Oh, M1216. Mec, je tue personne. Oh, le fal. Puissant ou pas? Oula, oula, oula. Par contre, ouais, j'ai bien testé la puissance, mais bon, me prendre des mains au cul comme ça, bof, quoi. Ouais, écoutez, il m'a l'air pas trop mal en vrai, là, le fal, comme ça. Hein. Comme ça, le fal m'a l'air franchement pas trop dégueu. Surtout qu'en plus, genre, je fous vraiment des petites balles. Ah oui. Bon, là, par contre, est-ce que tout est rechargé? Ouais. Bon, tu sais quoi, on va retirer un coup dans le tas, là, parce qu'on avait besoin, là, de tirer un coup, hein. Oh, 58 000 points, mec, c'est nappe. Oh, une nuke. Est-ce que je la prends? Non, non, je vais pas forcément la prendre. En vrai, je pense juste que je vais continuer peut-être de tirer, de bourriner, gros. J'ai eu quoi? C'est une batteuse que j'ai. Ah, c'est des points. J'étais en train de me dire, ouais, putain, mec, si j'ai pouvoir la puncher, ça va être top, mais non. Mec, c'est incroyable. Cette batteuse est incroyable. Franchement, je trouve que niveau puissance, c'est top. J'ai envie de la punch. Là, je t'assure, gros, là, j'ai qu'une envie, mec, c'est de la punch. Tu vois, là, le kiff, mon gars, c'est de faire ton tas de zombies. Et c'est ça. Oh, puis, oh là là. Les zombies sont totalement buggés, ces nappes. Mais c'est incroyable. C'est nappe.
c'est n'importe quoi, mec, c'est nap. Ah! Ah! Ah bah non, c'est bon, elles peuvent pas me tuer les greux, je suis con. C'est trop. Elles sont dard les grenades! Les grenades sont insane. C'est tout ce que je voulais dire. Les grenades sont vraiment incroyables. Oh, par contre, la hammer, la Shimer, elle est incroyable. Oh là là. Je vous électrocute un coup, ça vous fait pas de mal. Hein. Oh, encore un pack à punch. Tu sais quoi, je vais changer mon arme. Je vais changer la KU. Bah non, pas celle-là, gros. J'ai pas repunché celle-là. Ok. Bah écoute, pourquoi pas. Moi, ça m'a pas les roufs, hein. Franchement, ça m'a vraiment pas les roufs. Du coup, on va reprendre celle-là. Parce que celle-là, par contre, celle-là, elle est ouf. Le mec, il bourrine depuis tout à l'heure. Ça fait plaisir en tout cas, franchement moi je trouve que de bourriner comme ça, c'est franchement le feu, genre tu vois pas les munitions partir, c'est plutôt top, tu tires, tu recharges et t'es reparti frérot, et t'es reparti mon bro. Eh vas-y, y'a pas de problème, et vas-y que ça tire, que ça tire, que ça tire. Hein. Oh là là, c'est nimp. C'est nimp, gros, c'est nimp. Mais ça fait tellement plaisir, c'est trop bien. En plus, c'est que la petite musique de Minecraft, franchement, derrière, c'est top. Hein. Que je fasse gaffe à pas me faire pourrir le pif, moi. Voilà. Bienvenue sur Call of Duty, messieurs, dames. Bienvenue sur Call of. Voilà, c'est un jeu qui est vachement bien codé, en tout cas. Des développeurs de qualité. De la Dutch Qualität, les développeurs de Call of Duty. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Regarde-les. Mais regarde-les, gros. Ça va peut-être les décoincer, là. Ouais, pas vraiment, hein. Pas vraiment, un petit peu, mais franchement, mon gars, sans plus, hein, c'est nimp. Hein. Ah si, c'est bon. C'est bon, ils reviennent à la charge. Juste, hop là. Et on reprend les munes, et c'est parfait. Juste me refaire une petite caisse. Je sais pas, juste au cas où, j'ai quand même envie de me refaire une caisse. De toute façon, toutes les armes, on les a déjà eues, type 25... Après voilà quoi, est-ce qu'il y a vraiment besoin de présenter la type 25 quoi? Je ne crois pas, je ne crois pas. Ah là là. C'est quand même assez incroyable. De bourriner comme ça, moi j'adore. J'adore. Tu tires, tu t'arrêtes pas de tirer, c'est nimp. Puis après toi, genre, tu recharges, t'as 900 balles, mec. Et puis écoute, puis après, bah toi, genre, tu fais ça, puis t'es reparti, quoi. Bon, en vrai, par contre, je pense que du coup, on va pas continuer indéfiniment, genre, cette vidéo, parce que toi, genre, c'est un peu... C'est... Elle est pas dure, la map, tu vois, genre, elle est même franchement facile, donc, bon, au bout d'un moment, hein. Je pense qu'on va l'arrêter, cette fameuse vidéo. Bon, bah écoutez, voilà les gars, j'espère en tout cas que cette courte vidéo sur Minecraft vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez bien évidemment liker, commenter, vous abonner à la chaîne YouTube. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, c'était Eldaradoc. Merci d'avoir suivi et à la prochaine. Allez, ciao, ciao les gars. Oh, mon restante.